Deme. Nangadev. Idrissa. C'est pas possible. S'ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, Deme. Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa. Regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même, j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi, tu as quoi? On disait, nous sommes Français. Nous sommes Français. Mais, une fois en France... Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute. Les choses ici sont différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et comme tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Pas les héros. Hein? Reste en vie, petit frère. Ce que je vais vous raconter n'apparaît dans aucun livre d'histoire. Vous me croirez peut-être pas, mais n'oubliez jamais que ce qui est écrit n'est pas toujours vrai, et que ce qui est vrai n'est pas toujours écrit. Soldats, approche! Non, je les vois pas. Il faut qu'on soit fort. On les repère. Ennemi repéré. Allez,
par ici! Identité face à l'immensité de la guerre. Il montre fourni ton cadavre. Et pour ne pas me laisser abattre, je me disais, je suis démé, je suis un tirailleur, et que Dieu nous aide. L'équipement était souvent de mauvaise qualité, pas adapté. Fallait apprendre à improviser, fouiller, bricoler. Je me disais, allez Démé, cherche, trouve un moyen pour que ça marche. Sauvera des vies, de vraies vies. C'est concret, c'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie.
QG ennemi est droit devant. On sait que ce combat sera pas facile. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Mais en vrai, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Étaient tous emportés par l'euphorie de cette surprenante victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. Je les vois ! Les Allemands arrivent ! Les Allemands attaquent! Faites attention! Maintenez la ligne de fond! Ne vous laissez pas dépasser! Les voilà! L'avion débarque de nulle part. On n'a pas pu remercier le pilote et on s'en est voulu. On ne savait pas encore à quel point il serait remercié. Alors que nous, on n'aurait quasiment rien en retour. Come on!
Laisse-le partir, petit frère. Idrissa, est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors, sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons. Allons les combattre. J'ai une famille, des enfants. Mais regardez-vous, on a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! Allons-y!